Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou jan mon konnen ou gen problème. Et puis ke ou content comme ça? Ah, m'pa kache di ou. Depuis m commencé li bib mwen chaque jour, m senti charge problème mwen yo sorti sou dom. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter yon bib, dégager au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio vision d'espoir. Oh, moi t'attendais yon annonce comme ça, oui. Mais qui ça se a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télé Vision d'Espoir. Chaque jour, de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi, 5h30, 6h de l'après-midi, samedi, 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Madeleine Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel, chapitre 13. Règne de Saül, guerre avec les Philistins, holocauste de Saül. Saül était âgé de 3 points de suspension, 1, lorsqu'il devint roi. Et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3 000 hommes d'Israël. 2 000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel. Et 1 000 étaient avec Jonathan à Gibea de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Geba. Et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a bâti le poste des Philistins et Israël se rend odieux aux Philistins. » Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1 000 chars et 6 000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Éven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel.
C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Geba de Benjamin et les Philistins campaient à Michmash. Il sortit du camp des Philistins trois corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Shual, l'autre prit le chemin de Beth-Horon et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tseboïm du côté du désert. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyo, sa hache et sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des hoyos, des tridents et des haches était émoussé et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils. Un poste de Philistins vint s'établir au passage de Michmash. Un Samuel, chapitre 14. Jonathan à l'attaque d'un poste des Philistins. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Achija, fils d'Achitub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fut allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botsets et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Michmash et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen de petits nombres comme de grands nombres. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. » « Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent « Arrêtez » jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous monterons car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins,
et les Philistins dirent, « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. « Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes, sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui y ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Les sentinelles de Saül, qui étaient à Gibéa de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé au milieu de nous. » Ils comptèrent et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Achija, « Fais approcher l'arche de Dieu, car en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. » Pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant. Et Saül dit au sacrificateur, « Retire ta main. » Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au milieu du combat. Et voici les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres et la confusion était extrême. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp où ils se trouvaient disséminés et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Éven. Les Philistins battus, la vie de Jonathan en danger par suite d'un serment de Saül. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis, et personne n'avait pris de nourriture. » Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche et ses yeux furent éclaircis. Alors, quelqu'un du peuple lui adressant la parole dit, « Ton père a fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or, le peuple était épuisé. Et Jonathan dit, « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Ils battirent ce jour-là les Philistins depuis Michmash jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux, il les égorgea sur la terre et il en mangea avec le sang. On le rapporta à Saül et l'on dit,
Voici le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Saül dit, vous commettez une infidélité. Roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Puis il ajouta, répandez-vous parmi le peuple et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite et vous ne pécherez point contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Saül dit, descendons cette nuit après les Philistins, pillons-les jusqu'à la lumière du matin et n'en laissons pas un de reste. Ils dirent, fais tout ce qui te semblera bon. Alors le sacrificateur dit, approchons-nous ici de Dieu. Et Saül consulta Dieu, descendrai-je après les Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? Mais en ce moment, il ne lui donna point de réponse. Saül dit, approchez ici, vous tous, chefs du peuple. Recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Lors même que Jonathan, mon fils, en serait l'auteur, il mourrait. Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Il dit à tout Israël, mettez-vous d'un côté, et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre. Et le peuple dit à Saül, fais ce qui te semblera bon. Saül dit à l'Éternel, Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut libéré. Saül dit, jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils. Et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui déclara et dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, je mourrai. Et Saül dit, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. Le peuple dit à Saül, quoi? Jonathan mourrait? Lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël? Loin de là, l'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi, le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Saül cessa de poursuivre les Philistins et les Philistins s'en allèrent chez eux. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il était vainqueur. Il manifesta sa force, battit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. Les fils de Saül étaient Jonathan, Jishvi et Malkishua. Ses deux filles s'appelaient l'aînée Merab et la plus jeune Mical. Le nom de la femme de Saül était Achinoam, fille d'Achimaatz. Le nom du chef de son armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saül. Kis, père de Saül, et Ner, père d'Abner, était fils d'Abiel. Pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins. Et dès que Saül apercevait quelques hommes forts et vaillants, il le prenait à son service. Jérémie chapitre 2. Reproche au peuple d'Israël. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé.
quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? Ils n'ont pas dit où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore constater avec vous, dit l'Éternel, je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kedar, observez bien et regardez s'il y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Nof et de Tachpanès te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit « Je ne veux plus être dans la servitude ». Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les Baals? Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde. Ânesse sauvage, habituée au désert,
a le temps dans l'ardeur de sa passion. Qui l'empêchera de satisfaire son désir? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Il la trouve pendant son mois. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain. Non, car j'aime les dieux étrangers. Je veux aller après eux. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël. Eux, leur roi, leur chef, leurs sacrificateurs et leurs prophètes. Ils disent au bois, « Tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. » Car ils me tournent le dos et ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, « Lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? » Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants. Ils n'ont point eu égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple en dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi? La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée sa ceinture? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ceux que tu aimes. C'est même au crime que tu les exerces. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang de pauvres innocents que tu n'as pas surpris faisant effraction. Malgré cela, tu dis « Oui, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi parce que tu dis « Je n'ai point péché. » Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra ta honte, car elle est venue de la Syrie. De là aussi tu sortiras les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Amen. Colossiens, chapitre 4. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Exhortation à la prière et à la sagesse. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Envoi de Tychique et d'Onésime, salutations. Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime
le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour ceux d'Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à la Odyssée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de la Odyssée. Et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.